En avril 1958, Jack Baker, le futur réalisateur du Trou, en a un peu sa claque des contraintes commerciales du cinéma et il exprime son désir de faire un film économique, persuadé de pouvoir tourner des choses épatantes en peu de temps, dans des décors simples et avec des acteurs inconnus. Un sacré challenge en soi. Challenge accepted. Eh ben c'est bien beau d'accepter, mais pour réussir ce challenge, il faut trouver le bon objet à adapter au cinéma. Et c'est là que Baker, qui passionné par les faits divers, avait déjà en 1947 découpé dans la presse un compte-rendu d'une tentative d'évasion à la prison de la Santé, tombe une dizaine d'années plus tard sur un article évoquant le roman Le Trou. Intrigué par la ressemblance avec le vieux fait divers, Baker contacte l'auteur du roman, José Giovanni, et se rend compte que le type sait de quoi il parle, puisqu'il a été incarcéré plus de 10 ans et a même échappé de peu à la peine de mort. Il y a de quoi être soulagé, en effet. Baker achète donc ensuite les droits du livre, s'associe à José Giovanni pour écrire le scénario, et va même jusqu'à rencontrer Jean Kerodi, un des véritables protagonistes de cette évasion. Les discussions entre les deux hommes s'avèrent très productives et Baker l'embauche pour jouer son propre rôle à l'écran. Bonjour. Mon ami Jacques Becker a retracé dans tous les détails une histoire vraie. La mienne. Ça s'est passé en 1947, à la prison de la Santé. Ce prélude au film transforme le trou en une sorte de long flashback, mais surtout nous fait nous poser plusieurs questions. Déjà, il y a la question du genre, est-ce que l'on est dans la fiction ou bien dans le documentaire? Mais surtout, si l'on voit Kerodi à l'écran, est-ce que ça veut dire qu'il a vraiment réussi à s'échapper? Une question qui sera bien sûr au cœur du suspense créé par le film. The suspense is terrible. Toujours par souci d'authenticité et pour coller à son challenge de jouer avec des acteurs inconnus, Baker complète son casting avec Philippe Leroy-Beaulieu et Michel Constantin pour les rôles de Manu et Géo, qui n'ont eu d'autre mérite que d'être partenaires de volleyball de Jean Baker, le fils du réalisateur. Raymond Meunier, qui joue Monseigneur, était quant à lui assistant à la télévision. Et finalement, il n'y avait que Marc Michel, qui avait déjà une expérience significative au cinéma, et a surtout été choisi parce que son physique est à l'opposé de l'image traditionnelle du traître. Sale traître ! Parce que oui, dès le début, Gaspard a un comportement plutôt ambigu. Tout le distingue des autres prisonniers. Ses manières, ses vêtements, son langage trahissent sa bonne éducation. Gaspard, dès le début, cherche à plaire et être accepté par tous, aussi bien par le directeur de la prison que ses compagnons de cellule. Je suis bien content d'être tombé avec vous. Il cherche à séduire, et pour cela dispose d'un large éventail de possibilités. Il peut se montrer docile. Pourquoi ne pas l'avoir remis à un surveillant? On vous aurait rendu l'objet à la sortie. Vous avez raison, monsieur le directeur. Flatteur. Qu'est-ce que vous leur avez mis? Vous avez été formidable. Merci Manu. Et même entretenir une relation qui frôle la relation amoureuse. Tu sais Manu, c'est formidable. J'ai jamais éprouvé ça. Mais au final, ce n'est que lors de la visite de sa maîtresse qu'il tombe le masque et que l'on découvre un Gaspard en proie à son animalité, à son désir sexuel et à sa duplicité. Nicole, si tu savais comme j'ai envie. J'ai envie. Longtemps spectateur du groupe, il finit par vouloir s'impliquer et exprime son plaisir d'appartenir au groupe. Mais il finit par trahir et dénoncer pour sauvegarder sa situation matérielle de petit bourgeois. Il devient alors pour le groupe un véritable Judas qui a trahi et blessé dans leurs orgueils des gens qui ont placé en lui leur confiance. Et c'est là toute la moralité du film, c'est que même si Gaspard va être libéré de prison, eh bien il restera à jamais prisonnier de cette trahison. C'est son malheur et son châtiment. Et c'est pour cela que le film se termine sur cette phrase. Pauvre Gaspard. Parce que même si ces prisonniers ont été trahis et ne pourront s'évader, au moins eux, ils sont en accord avec eux-mêmes. Ils sont un groupe uni et soudé, appartenant au même univers. Et c'est là leur plus grande force, parce que oui, Le Trou est un film de groupe, un film choral où chacun a sa partition à jouer, en chœur et sur la même tonalité. À l'exception bien sûr de Gaspard qui reste discordant et casse l'harmonie de ce quatuor devenu par défaut un quintet. Ce groupe est d'une solidarité exemplaire, les membres sont solidaires et le tout forme un seul corps qui peut prendre plusieurs formes, comme lorsque les deux prisonniers doivent monter l'un sur l'autre pour échapper au gardien. Il peut être bicéphale lorsque l'on a l'impression que deux têtes n'ont qu'un seul corps réuni. Tiens, regarde la prison. Mais c'est surtout un corps solidaire où tout le monde se protège les uns les autres et se sauve des mauvaises situations.
Par rapport au livre de José Giovanni, Baker a choisi d'écarter tous les aspects romanesques afin de n'en retenir que la substance du réel. Le trou est donc visuellement très précis, documentaire et quasi pédagogique. Quand je vous disais que l'on était pas loin du tuto, c'était pas forcément une blague quand on constate le goût pour les objets et pour les gestes qui dominent ce film. La mise en scène accentue ce côté réel en proposant beaucoup de précision et de dépouillement. Il n'y a pas d'effet de manche qui se rajoute à l'intrigue, il n'y a pas de trucage sur les personnages qui sont de simples hommes s'acharnant à travailler pour retrouver la liberté. L'action naît de leur mouvement, filmé bien souvent en temps réel et avec peu de coupes. Et c'est bien cette idée d'instaurer une temporalité réelle qui crée le suspense, bien plus que le rajout d'une musique par exemple. D'ailleurs, il n'y a aucune musique dans ce film. Toute la bande sonore n'est dominée que par les bruits de la prison, comme des annonces dans des haut-parleurs, des cris, des portes qui claquent, etc. La prison est bruyante, et c'est justement ce qui rend l'évasion possible, puisque tous ces bruits du quotidien camouflent la création du trou. Mais vous êtes, c'est pas possible. Mais si, justement, c'est ça qui va nous sauver, c'est le bruit. Ainsi, le bruit et son contraire, le silence, sont au cœur de la tension dramatique, à la fois se présentant comme un allié de l'évasion ou comme un ennemi. Parce que si le silence permet de protéger et cacher les prisonniers dans les souterrains, c'est ce même silence qui représente un danger quand on est dans la cellule où un gardien peut à tout moment faire irruption et démasquer l'imposture. Mamma mia ! Et s'il y a quelque chose qui est très symbolique dans ce film, c'est la main de Roland. Jack Baker filme en effet 5 prisonniers qui doivent se montrer solidaires, solidaires comme les 5 doigts d'une main, justement. Sauf qu'il manque vraiment un doigt à la main gauche de Roland, et c'est un peu comme si ce doigt amputé était le symbole de l'échec de l'évasion et de la trahison à venir. Le personnage de Roland est évidemment central dans le film, c'est son histoire, c'est son plan d'évasion, et ce sont ses gestes qui permettent d'avancer dans le projet. Il a une dimension paternelle indéniable, mais également une dimension christique que l'on repère quand il rompt le pain. Mais surtout, évidemment, par rapport à la trahison de Gaspard, le Judas de l'équipe. Manu, tu es fou. Tu crois que je vous ai trahi, c'est ça? C'est ça que tu crois? Je te croyais, mon ami. Bref, c'était une petite analyse du film Le Trou de Jack Baker, sorti en 1960. C'est le dernier film du réalisateur qui meurt avant sa sortie en salle. Et je trouve qu'il est vraiment le chaînon manquant entre les jeunes turcs de la nouvelle vague et le cinéma français plus ancien qui est aujourd'hui souvent étiqueté sous le sobriquet de cinéma de papa. Je vous laisse là-dessus et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau Pourquoi il faut voir. BITCH!